Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Passion Multigaming, c'est Béné, on se retrouve pour le 10e épisode de BioShock. Donc allez, on va continuer. Donc ce qu'il faut faire. Oui, ça je sais. Ça bat les couilles. Faut que j'aille à la station de métro. Prendre Bathysphère pour atteindre la station de Bathysphère d'Arcadie. Accessible. Faut que j'aille. Ok. Donc faut que j'aille à l'objectif là-bas. Alors attendez. Ok. Alors on va continuer, donc c'est parti. Donc je me rappelle plus ce que l'on avait fait dans le dernier épisode. En vrai, je me rappelle plus du tout. Vu que j'ai pas joué, ça fait quelque temps. Il y a longtemps, j'ai acheté une forêt à la surface. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi? Pour que la ville multitude puisse souiller de son admiration stupide la canopée et se figurer l'espace d'un instant être paradis. Quand le Congrès a nationalisé ma forêt, je l'ai rêvé d'en cendres. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines. Ok. Hop. Voilà. Non. Pas du tout. Merde. Bah à droite, il faut. Ah. C'était chaud, chaud. Gauche, haut. Ok. Bah à droite, il faut encore. Oh putain, j'ai pas. Je peux pas. Je peux pas. Allez, allez, allez. Ok. Ah, c'est vraiment compliqué à pirater le truc. Oh. Ok. Encore une balle et c'est bon. Magnifique. Allez. Ok. Ok. Bon. Poste de soin. Y a pas de poste de soin. Si. C'en est une, ça? Non. Donc. Continuons. Rien du tout. Ok. Dès que nous sommes arrivés ici, Macha s'est mise à crier. Maman, maman, c'est quoi ça? C'est quoi? Je croyais qu'elle avait une sorte de crise, et j'ai soudain compris. Les arbres. Les arbres. Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, ça... Il va falloir que vous m'écoutiez très attentivement. Je ne suis pas botaniste, mais je crois que Ryan vient de tuer l'Arcadie. Il diffuse une substance nocive dans l'air. Nous sommes au fond de l'océan. Notre oxygène vient des arbres. Sans arbres, pas d'oxygène. Laissez-moi réfléchir un instant. La représentante de Ryan à Arcadie est une certaine Langford. Elle est honnête, mais pas à l'abri de quelques magouilles pour arrondir ses fins de mois. Si elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt.
Ok, trouver Julie Langford. Trouver Julie Langford. Attention. Ok, je suis passé. Je suis passé. Oh là là. Incinération. Ils aiment pas le feu. Ok. Nickel. Ok. C'est bon. Je suis passé. Bon. Oh putain. Oh là là. Voilà, attention. Voilà, attention. Une alarme. Ok, je suis passé. Ok. Dommage. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, continue. Ok. Elle va mourir. Allez. Ok. C'est très pratique. Là. Manufact, c'est quoi ça? Ok, lance-grenade. C'est quoi ça? Ok, il y a eu des pressions considérables pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires. Démence, mort. Mais à quoi bon défendre notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve? Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Ok. C'est quoi ça? Bon, on continue. Continue, continue. Il y a un piège ici. C'est ici, j'ai bien compris. Il faut que j'aille. Voilà. Voilà, voilà. Dégage, dégage, dégage. Tromper le pouvoir. Attention. Ok. 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 Ça. Ça qu'il faut. Ça qu'il faut, ça qu'il faut. Ça. Droite, bas droite. Ça.
Oh wesh. Voilà. Ok. 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 Oh, je suis trompé. On a des trucs tant pis, c'est pas grave. Ah c'est dur hein. C'est dur, c'est dur. Ah c'est pas grave. Continuez. On va continuer. Dessus, là. Il est où? Concrètement, je le vois pas. Ça, c'est bon. Ça va être loin. Il est où? Je le vois pas. Je le vois pas. Ok. Il est où, là? Raté. Ok. Ok. Ça. Ça. Ok, ça va, c'est plutôt simple, hein. Nickel. Donc. Je fasse quoi là avec ce truc? La grande botaniste 5, on est en moyen de sauver les arbres. Si vous avez demandé de trouver un spécimen Rosa Gallica, allez aux grottes de cascade pour lui en cueillir une, ok. Faut que j'en cueille une. Ok. Donc ça c'est fait. Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché. Et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous plaisent, je... Oui, oui, je suis au courant pour le visage. Sûr. Une petite minute. Ah. Je sais que nous tiendrons le concours. Dépêchez-vous, le bouclage. Comment? Très bien, je m'en vais. Mais il faut que quelqu'un revienne pour examiner ces échantillons. Ok. C'est très important. Nickel. Allez, on continue. Donc on avance petit à petit dans cet épisode. C'est plutôt pas mal. Oula. Je vais me faire repérer par l'alarme. Ok, je suis passé. Je suis passé. Fallait. Non, c'est vide. Faut que j'aille revoir la dame. Dégagez de mon territoire. Dégage. Ils aiment pas qu'on les brûle. Ok. Ok. Vous avez la Rosa Gallica ? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Une invitation sur papier glacé ? Envoyez-la pour le faire la digue ! Oui, c'est parfait. Parfait. Venez à mon bureau. Je vous laisse entrer. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour que cette forêt retrouve sa verdeur. Païens se feront-ils un jour de tout voler? Serpillettes en papier, les encriers, la mamélisse, la solution de chlorophylle, même mes vieux numéros de National Geographic. Ils doivent en tapisser leurs horribles petits sanctuaires. Ok. Pauvres malades. Je la trouve.
Je vois qu'il y a un truc à tension, donc je vais me dépêcher. Je vais me dépêcher. Allez. Julie, nous avions conclu un marché. L'argent a changé de monde. Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé dans notre accord. Monsieur Ryan. Ryan Industries se réserve les droits exclusifs de création, d'utilisation et d'exploitation du vecteur du bazar. Monsieur Ryan! Sans elle, nous retournerons. Monsieur Ryan! Ok. Je crois qu'on peut pas la délivrer. Hein. 9, 4, 5. 9, 4, 6. On a compris. 9, 4, 6, 7. Ouais. J'ai bien compris, c'est 9-4-6-7. Oh, pas mal ça. Alors, ok. À quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés? J'ai déchiffré le vecteur, en tout cas au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour étayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'Apis mellifera. Et vous m'avez bien entendu, mes chéris, de la bave d'abeille. Ok. Ok. Vous avez un objectif multiple. Ok, appuyez sur l'onglet pour voir toutes les étapes nécessaires à l'objectif actif. La flèche et la carte vous guideront vers l'objectif actif. Donc il faut que je fasse quoi? Inventer le vecteur de Lazare. Alors faut que... trouve 7 unités d'eau distillée, 7 échantillons d'enzymes, 7 unités de chlorophylle. Unité d'eau distillée. Oh là là, mais je sais où je vais trouver tout ça. Je sais pas où c'est que je vais trouver tout ça. Je sais pas où c'est que je vais trouver tout ça. Voilà. Ok. Je sais pas si qu'on me tire dessus. Pas trop. Je vois pas trop. Je sais pas. Je sais pas comment il faut que je fasse cet échantillon d'enzyme. Comment trouver cet échantillon d'enzyme? Manufacture.
Là. Ah. Lecteur laser est marqué. Ah mais ok, 777. Ok, faut que je trouve les... Ok, j'ai compris. Faut que je trouve les... Les trucs de manufacture. Ok. J'ai compris. Donc il faut que j'aille de l'autre côté. Ok. C'est en face. Ah, ok, c'est ça. Je sais pas ce que je vais faire. Ok. Pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là, je pense. Voilà. Ok. Ok. Alors, attends, on va pirater ça. Ok. Ça. Ça. Ça qu'il me faut. Faut ça. Et ça. Ok. Ok. D'où le panneau de sécurité là? Où est le panneau de sécurité? Pas le pirater? Voilà. Ok. Bon, allez. Bon, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de BioShock. Allez, peace, prenez soin de vous.